Igor, les gens peuvent sortir ou pas? Et on laisse juste une personne pour traduire. Bon, toute l'équipe a été dans la salle, dans la case, mais essayer de comprendre un peu s'il y avait quelque chose de grave. Ça va, il n'y avait rien de grave, donc on repassera la voie tout à l'heure. Ok, bien Léo. This old woman blind both eye, could not see, could not go, could not work. Stay at home for 1 year. Her village is so far from here. Her grandson and they put her by back, take time walking for 5 hours to arrive here. Cataract both eye. So, could not see. I will take care of her to go to the my eye hospital in Udomsai Provincial Hospital. Le projet est lancé. Je suis estomaqué par la qualité du travail fait par Pet Samon, qui ce matin vient de tester la vision de tous les enfants. Et Antoine, qui est ORL, comme on le sait, lui est en train de faire des tests de surdité pour les enfants qui, a priori, n'entendent pas très bien, et pas que les enfants, les adultes aussi. Ma mission ici prend tout son sens. Je suis venu à double titre, Peuple et Montagnes du Mékong, bien sûr, évidemment, mais aussi Kiwanis Club de Saint-Étienne, qui n'a pour vocation que de venir en aide aux enfants défavorisés par la vie. Est-ce que c'est bon pour l'audition, hein? Ouais. Sur 3 fréquences, on a une bonne audition, d'accord? Au Laos, il y a beaucoup de fragilité au niveau des voies aériennes. Et donc, c'est des otites chroniques qui demandent des traitements un peu rapprochés. Et puis, l'autre chose, il y a plus de surdité au Laos que dans d'autres pays. Il y a eu, chez certaines générations, il y avait les effets des bombardements un peu dans la guerre du Vietnam. Là. Bon, maintenant, la jeune génération, mais il y a de la surdité. Le problème, c'est que, contrairement aux lunettes qui sont plus faciles à prescrire, les appareils auditifs, ça demande des réglages, ça a un coût, ça demande une maintenance, ça demande des piles pour faire fonctionner. Et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place au Laos. Un beau jour, on y arrivera, ils y arriveront, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il n'est pas question de faire quelque chose et après de ne plus revenir. On va continuer et nous continuerons à travailler avec les habitants de ce village tant qu'il y aura des problèmes. ในนามอันข้าพเจ้าเนาะต่างหน้าให้อันอำนวยการของหม้อนี่ถ้าว่าข้าพเจ้าฮักตอนฮับอันนั้นมันคัดตัวบกพร่องมันบ่เพียงพอโดยเฉพาะบนหลับบนนอนกันอยู่กันกินก็ขอโทษขออภัยเนาะอันหนึ่งอันสองมันก็คือว่าก็ขอขอบคุณเข้าใจทางอันหัวหน้าสมาคมอันที่หนึ่งก็คือนำเอาอันบรรดาทีมงานต่างๆมาติดตั้งประเทศมาให้การช่วยเหลืออันที่สองก็ขอบใจทางด้านไฟฟ้าที่มาติดตั้งให้ล่วงหน้า
เขาคงบ่เข้าใจเป็นอย่างสูงแล้วบางว่าคงจะได้รับการร่วมมือร่วมมือแล้วรับการช่วยเหลืออีกครั้งต่อๆไปเนาะเขาเข้าใจเข้าใจครับถ้าคันเป็นไปได้ยักโคเครื่องปูตะซาวเนาะ 1 เครื่องอันต่อซาวมันอันต่อซาวคือสิอีลาดีซีเซพอสซิบล์อินเวอร์อะวอร์คเดอุนอะคัมเลอีโกกราฟีมาชีนพวกสกินเปอร์ยูทิลิซีโอเลฟอร์มังซันโอเลฟอร์มังซัน Alors, c'est un peu plus compliqué, mais oui, on va essayer, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent. Oui. C'est que on n'a pas l'argent. D'accord. C'est que l'argent, il faut aller la chercher. Oui. Ce sont des donateurs. D'accord. Ce sont des Français, souvent des petits Français, qui donnent un petit peu d'argent, pas oui. beaucoup. Oui. Mais c'est le nombre qui fait l'importance. Donc, à partir du moment où ils nous demandent quelque chose, nous, il nous faut le temps, si tu veux, de trouver l'argent, et ça peut demander un petit peu de temps. Mais j'enregistre ça, oui, effectivement. Oui.